Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour le 18ème épisode du Let's Play Hunter Lost en compagnie de Grisix, Falcon et William. Messieurs, bonjour. Coucou. Alors, des belles nouveautés depuis le dernier épisode. Oh là, il fait Falcon qui nous fait un bruit là, Falcon. Hello. Hello. Alors, je disais, des belles nouveautés. Alors, on a fait quoi? On a fait déjà deux hard beacon pour éviter de vous faire les 4 parce qu'il y en avait 4. Hein. Donc, le premier, on l'a fait avec vous. Les deux suivants, on les a fait hors vidéo. On a aussi terminé, on a un petit peu avancé la maison. Enfin, j'ai avancé la maison, hein, vous allez le voir, hors vidéo. Elle est nettement plus grande. Et pour le coup, on a des garages en plus parce qu'on n'avait pas assez de garages pour stocker les véhicules. Donc, voilà, je vais vous montrer vite fait l'intérieur pour vous. Hein. On va peut-être pas trop s'étendre là-dessus parce que on a du pas sur la planche, comme on dit. Et voilà, donc les garages ils sont ici, voilà, on a mis les voitures dedans. Alors on a perdu des voitures, je sais pas où c'est qu'elles sont, parce qu'on avait plus à un moment, je suis sûr de moi. Mais c'est pas grave, hein, on a suffisamment encore, largement. Et j'ai fait du coup un petit toit avec des réserves de flotte, voilà, parce que Grisix a mis deux bidons devant, je trouvais pas ça joli. Un abri à hélicoptère aussi. J'en ai mis plein à l'étage. Et l'abri à hélicoptère, effectivement, enfin à gyrocoptère, pardon, qui est devant, qui est un peu casse-gueule, parce que si vous accélérez trop, ça explose, mais c'est pour le fun. Voilà, un petit abri. J'ai trouvé ça sympa de le faire comme ça. Au début, je voulais mettre les bidons de flotte au-dessus, puis je me suis dit que c'est mieux de l'autre côté. Alors voilà. Voilà, voilà les nouveautés. Alors, je précise aussi pour la quête, la fameuse quête, vous savez bien, avec les fusibles, les fuses. C'était pas des fusées, hein, clairement, c'est pas des feux d'artifice. C'est des fusibles. Apparemment, la quête est buggée. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de solution pour la passer. Alors, pour le coup, vous pouvez les mettre dans les commentaires comment on fait. Je pense que ça va être débuggé d'ici là, mais dans le doute. Mettez-le dans les commentaires. Et nous, on va aller terminer le dernier Horde Beacon ainsi que valider la quête de l'appareil photo hein, que j'avais fait à la dernière vidéo. Voilà. Si vous vous rappelez. Sinon, allez le voir. Parce qu'elle est bien, la vidéo. Bon, alors, c'est parti. Il faut juste que je m'équipe par contre avant. Parce que mon stuff, vous allez voir, il n'y a que dalle. Voilà, j'ai vidé, tout simplement. J'ai tout mangé surtout. Et donc là, pour le coup, je vais me rééquiper en nourriture. Alors, je crois que j'ai mis de la boisson quelque part. Il y avait des bouteilles. Voilà, les bouteilles là, elles sont pour moi ces bouteilles là, le lait et ça, ça c'est pour moi. Je vais prendre de la bouffe aussi bien sûr, la bouffe qu'est-ce qui nourrissant le plus? Les barres chocolatées tout ça là? Moi je prends ça. Il y a des patates aussi. Et oui, alors j'ai ramené aussi pour aller voir, je suis retourné voir, hein, du coup j'ai plein de gliders. Allez voir dans la bouffe là, le coffre en haut à gauche, il y a encore deux gliders, et en dessous il y en a trois. Ouais parce que je suis retourné plusieurs fois, mais j'ai pas trouvé de solution. Voilà, des barres chocolatées, ça c'est bien. Il faut juste un peu de vie et un vaccin au cas où les zombies me font très mal. Parce que les deux autres quêtes, notamment la quête avec les gardes-côtes, a été un cauchemar. Ça a été très dur. Parce que ils couraient, ils sont carrément plus forts. On a vidé toutes nos cartouches. Enfin, j'ai vidé toutes mes cartouches. Arrête de frapper partout. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il est énervé celui-là là? Ouh, petit Falcon. Qu'est-ce qu'il a, Falcon là? Qu'est-ce qu'il a? Ouais, la soif de sang. Eh ben, on va aller assouvir sa soif de sang. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais... Oui, ça se dit comme ça. Et pour ça, on va aller en hélico. Alors, ça tombe bien, on a juste 4 hélicos, parce que du coup, il y en a plein qui ont été perdus. Donc là, c'est les 4 survivants. On pourrait en recrafter. Alors, Grisix, doucement à accélérer. Hein. Très doucement. Ok? Ah, faut que je me tape celui avec les coffres, quoi. Attendez, il faut aller... Je vous montre d'abord où c'est qu'il faut aller, je vous montre la quête. Hein. En gros, il faut aller... Fais gaffe. À Waikoloa. Alors, Waikoloa, vous savez où c'est? Tout le monde s'en bat les couilles? Ouais, c'est bon, je sais où c'est. Moi aussi, je vais décoller, du coup. Alors, faites attention aux petites bosses sur la route, hein, c'est un coup à tout péter. Ne mourrez pas, ce serait pas mal. Ouais, ne mourrez pas, ce serait pas mal. Ne pas exploser. Ne pas exploser. Et voilà, je vois tout le monde décoller correctement, donc je me dis pourquoi pas moi. Juste à passer un peu la route qui est un peu. Tu prends de l'altitude, oh putain, alors il y a William qui est parti, vous l'avez vu à gauche. C'est formidable, là je redescends tranquille et là je décolle. C'est bon, là je peux décoller, les doigts dans le nez. Ça décolle assez rapidement ce véhicule. Parfait, je suis ouais. Lequel d'entre vous, Gessia? Putain, t'as failli me percuter. T'es derrière moi toi quoi? Non, mais tu me rentrais dedans en fait. Tu prends de l'altitude et tu me rentrais dedans carrément. Ah d'accord, je t'ai pas vu, t'es au-dessus de moi. Autant pour moi. Non, mais j'étais à 2 cm. Hein. Ouais, Waikoloa, c'est qui est parti là dans le ciel, qui est à gauche, à droite du enfin en face du volcan en fait. C'est toi, Grisix? C'est toi, ouais, merde, c'est abusé. Donc toi, tu vas au bon endroit. Ouais. Je vais vous montrer rapidement sur la map pour les viewers. Alors vous savez que ces gyrocoptères ont tendance à décoller énormément et à faire l'avion. Bah l'avion, ouais, ça vous le voyez bien. Mais ils décollent aussi vachement haut, ce qui fait qu'il faut se pencher beaucoup. Je vais mettre la map pour vous juste une seconde en essayant de pas mourir. Faire des loopings comme ça là. Surveillez votre oxygène. Oui, les loopings marchent très bien. Waikoloa, alors par contre Waikoloa est où? Tout en haut, d'accord, tout en haut. C'est le plus loin possible. Et bien c'est parti, hein. Allons-y vite. J'espère qu'on aura assez d'essence pour revenir. C'est normal qu'il chute. On est dans le caca. Ah, il veut passer en dessous du pont. Ouais, c'est pas trop dur. Attends, qu'à faire. Vu la taille du pont. Non mais attendez, l'essence les mecs.
S'il vous plaît, votre essence, on aura peut-être pas assez pour faire l'aller-retour. Ouais, j'ai un bidon, j'ai ce qu'il faut. Ouais, bah faudra refaire le plein, je pense, mais dans le doute, je préfère, tu vois, arriver là-bas, le plus proche des 50% parce que... T'es à 50%? Non, bah je suis à 76 déjà, donc... Ah, ça va. Ouais, mais attends, j'ai déjà cramé un quart, sachant qu'on est... On est au quart de la route. Je suis même pas sûr, en fait, qu'on arrive là-bas avec le... Tranquille. Mais je pense que dans la ville... On a la moitié, là, du trajet. Non, on n'est pas à la moitié, on est plutôt au quart. Hein. Regarde bien, Waikoloa, c'est tout en haut. Je sais bien. Donc, ne pas failler. Donc, s'il vous plaît, optimisez l'essence. Moi, j'ai 70%, je vous dis, non, on n'est pas à la moitié du tout, William. Hein. Je vais regarder à 50% où c'est que je suis à peu près. Je pense qu'on peut y arriver. Mais c'est vrai que l'aller-retour, déjà, c'est mort, c'est clair. Mais je suis pour pas l'essence là-bas, donc c'est pas le souci. Et après... Ah, j'ai oublié de prendre les armes, j'ai pas d'armes. Quelqu'un a une arme? Oui, c'est bon, j'ai une arme. J'ai un lance-breaker pour toi, si tu veux. Ah bah c'est parfait, parce que... Ah, des cartouches, aussi, hein. J'ai des munitions. Ouais. Des cartouches, parce que là, moi, j'ai rien du tout, en fait. Je suis parti sans armes. Ah, moi, j'ai nonné badger pour moi en arme, donc je pourrais te filer ma lance-breaker, si tu veux. Ouais, bah ouais, putain, j'ai juste... j'ai des armes de merde, moi. J'ai un sniper, une mitrailleuse dégueulasse. Alors ça, par contre, c'était la connerie. Je devrais faire demi-tour pour chercher les armes, mais on va pas le faire. J'espère que ça suffira avec ce qu'on a. Normalement, alors on a trouvé une petite astuce d'ailleurs avec les Orbicon, hein, parce que vous avez vu l'épisode 15 ou 16, je crois. On a réussi à les guaquer les zombies en se mettant sur des hauteurs. Et je pense que là, on va faire la même chose. On a trouvé déjà un spot, je vous le dis déjà aussi. Hein. C'est au-dessus de l'hôpital. Parce qu'a priori, au-dessus de l'hôpital, les zombies n'ont pas l'air de suivre sur la corniche au-dessus de l'hôpital. Je sais pas si vous voyez l'hôpital. On va le voir ensemble, vous en faites pas. Hein. Et pour le coup, ils peuvent pas nous frapper. Ils sont en dessous. Ils essaient de nous frapper, mais ils sont trop loin. Et c'est là qu'on est bien. Alors, du coup, on en est où, là? On arrive. Ah oui, cool, là, déjà, c'est à droite. 50% de sens. Ouais, tu vois, ouais, 50%. Pareil. Bah, 50%, je suis pas encore arrivé, hein. Moi, je suis à 40%, donc... Faudrait effectivement faire des pleins, de toute façon. Après, l'essence, aujourd'hui, hein, c'est pas ce qui nous manque. On a juste à aller faire les tours dans les villes, et... En plus, j'ai rallumé le serveur, du coup, ça a dû se remplir. Eh, ouais. Ah, qu'est-ce que c'est bien, c'est la gruche, j'ai dû rallumer le serveur. Enfin bon, ah c'est la ville où on est arrivé au premier épisode, ça. On l'aurait laissé, de toute façon, ça aurait été la même chose. Alors par contre, essayez d'atterrir, prêt à décoller. Pas trop près non plus, pour que les envies ils griffent pas. Non mais prêt à décoller, prêt dans le sens d'être prêt. Personnellement, je le mets sur l'aéroport. Enfin, sur l'hôpital, parce que je pars direct avec. Attends, c'est directement l'hôpital qu'on a devant. Ah oui, c'est parfait en plus. Alors celui qui est en dessous moi, là, Grisix, c'est Grisix qui est là, ouais. C'est ouais. Grisix, je vais tenter de rater devant toi. Ne bouge pas, s'il te plaît, ça m'arrangerait. Non, j'ai descendu là. J'ai envie de prendre la route, non, je suis en train de tomber. Tu devrais redresser. Ouais, c'est bon, j'en redresse. Voilà. Et hop, et le saut maintenant! C'est quoi cet écho qui me casse sensible? T'as vu? T'as pas confiance, hein? Ouais, pour atterrir, en fait, il faut freiner, voire même ne pas appuyer sur les touches. Voilà, et là, tu sautes, tu ralentis. Alors, on va commencer par tuer un peu de zombards qui sont dans le coin. Viens par là, mon mur. Attends, Gadu, arrête-toi. J'ai pas une larme. Ah oui, j'ai bien. T'as des balles qui vont avec ou quoi? Oui, j'ai plein de balles. Bah, c'est ça qu'il me faut parce que c'est en balles, je vais pas aller loin. J'ai une Eagle Fire. Hein. Merde. Oula, non, ça, je te remercie. ça va. Military Magazine, c'est très bien pour une Eagle Fire. Ah oui, mais ça marche aussi avec l'Eagle Fire. Ah bah, c'est parfait. Oui, mais tu peux être en auto avec celle que je t'ai filée. Oui, mais moi, j'ai pas envie parce qu'il faut garder les balles. J'ai mon Eagle Fire, c'est parfait. J'ai mon Eagle Fire, t'as des balles, c'est parfait. Ok, bah, on est parfait. Alors, la technique que nous on a vue, on va essayer de grimper. Par où on peut grimper dans cet hôpital? Ah oui, c'est là. Ah, tu montes dans l'hôpital, t'as des escaliers. C'est là. Et oh là, salaud! Fais tirer dessus, Ok, c'est bon, j'ai paniqué pour rien. Je fais tirer dessus, les gazus. Alors normalement, vous allez voir, les zombies ne passent pas. On va tester maintenant, hein. Ok, je sais pas. Ah, c'est Falcon qui est là! Je vais tisser. Falcon, viens vite! Saute par-dessus! Il peut pas te choper là, viens ici! En fait, je l'avais un bandage que j'avais vu. Falcon, tu vas mourir là. En fait. C'est bon là, Falcon, là, au lieu de sauter là? Bon, qui a le Orbicon? Personne. Grisix, sors le Orbicon maintenant. Tu l'as pas oublié le Orbicon? Oui. Hein, non. Bon, parfait. Donc, normalement, dernier Orbicon, et on aura fini la quête. Tiens, il y a un hélico qui est là-bas, regardez les mecs. C'est le mien. Ah, c'est toi qui atterris là? Non. Ah, lui, t'as il a peur, toi. Hein. C'est vrai qu'il atterrit près de l'hôpital, ça, effectivement. Je voulais en fait atterrir au-dessus, mais le hélico il est incontrôlable, c'est pas possible, c'est ingérable en fait. Ah non, sur le toit, c'est pas possible, effectivement. Quand tu véhicule avance, il est lent à atterrir, et quand tes moteurs sont carrément éteints, la sensibilité elle augmente, elle est à 100%, et en plus. Oui. Aussi qu'il est parti, Grisix.
Je l'ai vu sauter par la fenêtre. Je sais, mais je voulais tenter un truc en fait. Ce que je vais faire, c'est que je me suis crafté une échelle, je vais la mettre sur le police. Parce que s'il y a des zombies en dessous de vous, vous pouvez pas leur tirer dessus. Ouais, pas con. Excellente idée. Et nous, on pourra tirer sur le truc de police, donc c'est parfait. Voilà, je me mets avec les zombies. Alors, normalement, je vous disais, hein, les zombies ne passent pas. Ils ne peuvent pas sauter. Ouais, ils ne peuvent pas sauter. Donc, du coup, on devrait être tranquille. Ils vont venir, ils vont se mettre comme ça, ils vont faire ça. Voilà. Alors, et puis, ils sautent pas, donc. On sera peut-être obligé, par contre, de sauter, nous. Parce que s'il y a le gros zombie qui est là. Je sais pas s'il peut rentrer par là. Il va nous chier des cailloux, donc là il faudra sauter. Hein. Et si on saute, on aura tous les zombies qui sont en dessous qui nous attendaient. Oh, ou alors tu te mets là. Hein. Attends, par contre, Grizzix, ça le fait pas. Non, mais attends, on peut mettre des sandbags. Je crois que Grizzix en a quelques-uns. Ouais, mais les sandbags ils vont les péter. On met de chaque côté. Attends, Grizzix, par contre, il y a juste un problème. C'est que si toi t'es en face, tu as posé le beacon, je suis pas sûr que ça valide pour moi. Non, mais c'est le beacon, je vais le mettre à côté de vous. Oui, mais attends, comment tu vas traverser? Il va courir. Tu vas courir. Mais je vais courir. Je sens tellement mal ta connerie. Bon, comme tu veux, vas-y, comme tu veux, je te suis, y'a pas de problème. Et ouais, j'aurai le temps, ils peuvent se mettre ta couverture. Non, mais laisse-le comme ça, ça serait bien. On verra leur tête là au moins. On verra leur tête, c'est parfait. Voilà, enferme-nous là, ça serait bien là. Tu vas te casser les jambes quand tu vas tomber. Non, mais ferme pas tout à 100%. S'ils sont derrière et qu'ils pètent tout d'un coup, on va se retrouver avec 10 d'un coup. Il faut qu'on puisse les tuer. Il faut qu'on puisse vraiment les tuer, tu vois, sans qu'ils puissent nous toucher comme ça, en mitraillant un maximum. Sinon, on va se faire avoir. Tu regardes au pire, tu fais ça. Ouais, c'était mieux comme ça, tu vois. Laissez le bas, dans les gars. Battez pas, les gars. Mets-le au-dessus, celle-là. Je sens tellement mal. Non, parce que je vous assure, le coup des gardes-côtes, donc c'est-à-dire le beacon 3. Hein. Ouais, il faut laisser celles qui sont aux côtés. Le beacon 2, ça se fait très bien. Mais alors, le beacon 3, c'est un cauchemar. Voilà, c'est bon, nickel. La base militaire des gardes-côtes, là, c'est. Ouh. Bon, bref. Grizzix. Non, n'en mets pas. Grizzix. Oui. Quand tu vas sauter, tu vas te casser les jambes. Non, je me strate. Je sens tellement mal le champ que Grizzly que vous allez passer. Au pire des cas, il va être en dessous, je le protégerai. Vas-y. Par où il monte? Il y a une échelle. Il y a déjà un zombie qui l'attaque. Grizzly. Il est déjà en haut là, quasiment. Les zombies ne montent pas les échelles. Ça. Je vais regarder s'il y en a qui arrivent par là, hein, mais il n'y a personne qui arrive. Alors, un maximum de points, parce que ça rapporte pas que de points, je vous rappelle. Vas-y, Grizzly, dépêche-toi, monte. Regardez. Voilà, 6 expériences à chaque fois. Donc là, pour le coup, moi je pense que j'ai terminé mon arbre avec ça. Et là, ça m'arrangerait bien. Ah, plus de balles. Y'a rien qui nous arrive derrière. Hein. Il y en a un que j'ai pas eu, il y en a un qui avait monté. Alors, faut juste surveiller aussi mes cartouches. Alors, y'en a un qui est en train de grailler, je sais pas quoi. On l'entend grailler. Hein. Ils arrivent ou quoi? Ah, ils arrivent, hein. Allez voilà. Un petit fien qui arrive. Ah non, j'ai le fait, je l'ai vu. Ouais, c'est bon, il est mort. Tu restes là. La vache, ils viennent tout ça maintenant. Hein. Ouais, ils sont nombreux. Alors, attention à ceux qui. Il y en a un qui est électrique, je sais pas quoi là. Ils sont en grailler les sacs, hein, pour l'instant. Hein. Alors, c'est vrai que c'est un peu de la gruge. C'est pas de la vraie gruge dans le sens cliché. Regarde toi, par contre, c'est méchant là. Voilà. Ah, belle. Mais combien de chargeurs? Ouais, ça va, on est encore tranquille. Regarde quoi? Il y en a qui est invisible là. Ah, c'est bon. Vous avez vu? Moi je tire des balles aussi par contre dans les sandbags. Hein. Ça va tout le monde? Ça pète. Oh là! Fais gaffe, ça pète. Hein. Il y en a plein qui sont en fait au pied là, Ratsa là. Ils sont au pied. Hein. Oh, il y en a qui vient de sauter, Ratsa! Comment il a sauté? Il est où? Oh la vache! Il est au-dessus! Oui! Il est au-dessus! Vite, montez le salaud! Oh là là! Fais gaffe au sol! Hein. C'est de faire mal! Hein. Tain, comment il a réussi à monter sans foirer là? Bon, c'est bon, ça va mieux là, c'est bon. C'est bon, l'acide a disparu. Continue à tirer! Hein. Plus vous vous mettez au bord, il va aller en dessous. Y'en a qui arrivent. Reculez, ils avancent. Ils vont redescendre. Oui, c'est vrai qu'ils vont descendre si on recule. Il a raison, William. Il a raison, recule. Reculons tous les deux, normalement, ils vont pas monter. Tu vois, ils se barrent. Ça permet justement de les faire reculer. Allez, encore un qui est là. Ah, c'était limite là encore là. Y'a l'héros. Il est où le gros? Il est là. En dessous, il y en a plein. On va vous aider. Il est où le gros? Parce qu'il va doucher les cailloux. Hein. Il est où le gros? Où ça? Il est où? Il est vers nous. Dans l'autre côté en dessous là. Tu fasses gaffe, regarde. Ouais, mais c'est bon, on le voit effectivement. Tire en dessus, William. Je peux y aller, hein. Je shoot dans le tas, je ne vois rien, mais je shoot dans le tas. Derrière, il y a pas de zombies, aussi. C'est parfait. Je shoot dans le tas, il est en dessous, hein, méfiez-vous. On tue un petit peu les petits zombies aussi parce qu'il y en a beaucoup. Hein.
Alors par contre je sais pas où c'est qu'il est, on le voit plus le coup hein. Vous avez dû bouger. Il vous jette des cailloux, faites gaffe. Il est en dessous, on revient qu'il est en dessous hein. Là quand vous déplacez, il suit Falcon, clairement. J'ai plus de balles. J'ai plus aucune balle les mecs. Alors là je compte sur vous, parce que je n'ai plus aucune balle. Tuez le gros zombie. Il a déjà pris cher le joueur en fait. Ouais je bouge pas. Tu me fais peur toi. J'ai plus aucune balle. Vous avez encore des balles? Et j'ai deux chargeurs sur moi. Bah cours, vas-y, je pense que t'as le temps. Tant que tu te casses pas les jambes, vas-y, tu peux aller voir. Non, attends, il y a encore 4 zombies en dessous de toi. Il y a 3 zombies normaux, 4 zombies normaux, et il y a le big boss. Ouais, si tu le big boss, c'est moi. Ah, c'est bon. Non, pas encore. Ah la vache. Ah, j'ai plus aucune balle pour le coup. T'as aucune balle Attends, il me reste ton gun, il me reste ton gun qui est pas. Je vais prendre ton gun. Ouais, vas-y, cette balle dedans. Putain, je l'ai passé. Ah, c'est bon, non. Et il est mort, c'est bon. C'est arrivé. Il est mort? Ah, il est mort. Encore les petits zombies. Ouais, chargeur à tester. J'ai plus qu'une balle là, c'est fini. Ah bah c'est bon, les chargeurs sont là. C'est toi qui m'as filé les chargeurs là. Vas-y, mais t'en as plein des chargeurs là. Ça c'est mes chargeurs que tu m'as fauché dans l'armoire. Lol. Plein. Ah non, et mon inventaire est bien full et puis je les ai remplis après. Putain, il doit rester des zombies là parce que leur beacon s'est pas pété. Là. Ouais, il doit rester un ou deux. Je vais aller voir en dessous. Hein. Ah, par contre, j'ai peur que du coup ça valide pas pour moi. Allez plutôt voir vous parce que pour moi c'est. Ouais, non, mais c'est ce qu'on fait. Allez voir en dessous là. Reste à côté de George Beacon. Je reste à côté. Soit il va finir par péter. Hein. Il y a des fois, c'est pas forcément un zombie qui le tue. Il débat comme ça. Par contre, moi, clairement, je vois plus rien. À moins qu'il en reste à l'étage dans l'hôpital, peut-être. On peut monter au-dessus. Soit ils sont contre le mur en train d'essayer. Dans l'hôpital. Ou alors c'est buggy encore, quoi. Moi je rigole mais. Oh ça sera un beau fail. Ah bah on est pas. Ah y'en a là. On est pas mort. Déjà c'est pas mal. Y'en a là. Ouais y'en a là, effectivement il y en a 3. Allez casse maintenant, la casse. Y'a rien sur le toit. GZX. Qu'est-ce que c'est de blague encore là? Attends ça va arriver petit à petit. Tirer avec des. Ouais, juste pour faire un peu de bruit, ils vont arriver petit à petit. Y'a rien en face. Je crois que c'est à côté, pas trop loin. Ah, c'est bon, je sais où ils sont, c'est bon, je les ai vus. Tu les as vus? Ouais, c'est bon. Mitraille-les, désingue-les! Fume-les! Ils sont en masse, Ils sont combien? Ils sont 5 ou 6. Oh la vache! Cours, vas-y, je les mitraille. Vas-y, continue. Je vais courir. J'essaie de tirer au loin. J'en ai tué un. Eh, les gars, j'en ai touché deux là. Je les vois, j'ai tenté à tuer, hein. C'est bon? Il y a encore là le Horde Beacon. C'est fini? En tout cas, ceux qui étaient là, ils sont tous morts. J'ai plus de chargeur. Le Horde Beacon, il est encore là, les mecs. Hein. Encore un truc buggé, quoi. Non, il y en a encore, mais en fait, ils sont coincés sur des murs, je pense. Ils ont pété à gros parce qu'ils ont spawn assez loin. Je regarde dans les pièces. Normalement, je crois que le Horde Beacon casse au bout d'un moment, quand même, hein, malgré tout. Par contre, le truc, c'est qu'ils doivent être trop loin pour être activés. C'est là que je comprends pas, quoi. Putain, je vérifie hein, si ça valide ou pas, mais je crois pas. Hein. Ça a pas validé. Hein. Attends, bah il y a des zombies. J'ai entendu un bruit de zombies là, il y a pas longtemps. Ils sont où ces cons là? J'allais voir en dessous comme je. Attendez-moi. Ils vont être coincés quelque part ces cons là. Bah, ah, si j'ai entendu un, à l'hôtel. Est-ce que vous étiez voir dans le sous-sol? Y a pas de sous-sol, non, y a pas de sous-sol. À l'hôtel, à l'étage de l'hôtel, il y en a un. Avec Zix vers moi. Eh, je trouve ça bizarre qu'ils soient aussi loin. Je trouve ça très bizarre qu'ils soient aussi loin. Là, je pense que ils peuvent pas monter en fait en haut. Si, ils sont à l'étage, mais on peut. Ah si, attends, j'ai trouvé l'escalier. Ah ouais, je les entends, ouais. Ouais, il en est un. Hop là, il est mort. Il y en a encore d'autres. Je surveille. Toujours à côté, il y a rien du tout. Et attention, il en a. Fais gaffe. Est-ce qu'ils ont les yeux rouges? Ouais, il parle. Ouais, d'accord, bien. Parfait. Bah, c'est le fait qu'ils ont les yeux rouges en fait. Qui dit qu'ils sont. Parce que je pense qu'ils ont pas les yeux rouges partout sur la map, hein. Ils ont les yeux rouges uniquement dans une zone. Ah c'est bon, ça a marché, c'est bon, ça a marché. Voilà. Oh la vache, le stuff, on est riche. On est encore riche, là. Alors, je peux pas tout prendre. Je vous le dis clairement, je peux pas tout prendre. Là, si vous saviez le stuff qu'il y a, là, c'est pas possible. Là. Je vais jeter mes chargeurs, parce que là, j'en ai beaucoup trop. Voilà, je vais commencer à me remplir les poches. Haha. Oh la vache. Eh, il y a 5 Nicorev. Et deux, comment ça s'appelle Dragon Fang.
Il y a un grizzly. Il y a des chargeurs de sang, des boîtes de 50. Enfin bon, c'est la totale, les mecs. Là, c'est la totale. On se fait plaisir. Ah bah là, on se fait plaisir. Moi, je prends une de chaque. Tiens, je prends le... les cartouches qui sont en forme de couilles. J'aime bien celle-là. Désolé. Mais... moi, ça fait penser à des couilles. Oula, un zombie. Qui vient de pop. En forme de couilles là. Ah, c'est les drums. Alors, servez-vous. Hein, oh vous avez putain, vu, hein. La vache. Ah, attends, oui, hey, j'ai déjà pris une Nicorée. Mais... oh mon dieu. De... oulala. Oulala. Moi, je prends les grenades. Hein. Alors, prenez pas les chargeurs hein, vides ici. Hein. On va les oublier les chargeurs vides. On pourra les re-remplir après, mais on en a encore plein, je crois, vides. Donc pour le coup. Ouais, non, la plein de ce qu'il faut. Bon, pendant ce temps, moi, je vais y aller pour valider les deux quêtes. Grizzix. Oui. Et par contre, je dois voir mes skills. Où c'est qu'ils en sont mes skills? Parce que je vais vous montrer ça. Voilà, 206, on a encore pris. Alors celui-là est full. Celui-là est presque full. Voilà. Et celui-là, est-ce qu'on pourra finir? Peut-être pas. Ah, on pourra pas finir. J'ai pas suffisamment pour terminer, mais j'étais pas loin. Il me reste 4 barres rouges au total. Donc, il me manque 80, 30, donc 110, 140, 170, et je suis full, full, full. De partout. Si je meurs, c'est la cauchemar. C'est le cauchemar. Attends, l'essence. Ah, l'essence, oui, tout à fait. Tout à fait. Ah oui, il faut qu'on aille faire le plein. Du coup, je vais chercher des coffres. Il est full, celui-là, c'est bon. Du coup, pour vous, alors attendez, parce que. Non, pour le coup, là, on a plus rien. Nous, on va valider les quêtes. Ne vous inquiétez pas, on mettra les coffres sur les échos et on partira avec, monsieur. Ouais. Voilà, je vais direct à Yunfield, machin là, Yunding. Je sais plus comment ça s'appelle. Qui est à l'autre bout de la map. Il y en a qui volent en tête plane, on les voit. Vous êtes beau. Et pour le coup, encore deux quêtes de valider. Il y en a une qu'on pourra pas valider, du coup, hein, je vous le dis. Il n'y a plus qu'à piloter gentiment, hein, ça va être un petit peu long. Vous avez qu'à regarder le paysage, les viewers. Oh. Ça détend, n'empêche. Ça m'a stressé ces conneries, je crois que j'allais mourir, moi. Quand tu vois la masse de zombies qui arrive, c'est à 2 mètres, mais qui ne passe pas la petite barrière de la fenêtre, tu as peur. Tu as peur qu'il y passe. Et mon hélico a pris cher. Le pire, c'est qu'il passe, tu sautes une barre en courant. Ouais, mais tu te sautes, tu te casses les jambes, du coup ils te rattrapent. Surtout ceux qui sont à quatre pattes et qui courent vite là. Bah, tu te retournes, tu les défonces et tu continues ta route. Ouais, mais ça pue du cul quand même ton histoire. Hein. Faisable, mais ça pue du cul. Alors, est-ce que je suis sur la bonne route déjà? Je suis sur la bonne route, mais j'ai pas pris le. Ouais, il y a quand même pas mal de routes là quand même. Bon, on va rester penché à fond, écoutez. Voilà. C'est là où on va le plus vite avec ces hélicos. Ils sont quand même lents ces hélicos au final. Enfin, j'ai pas l'impression, je sais pas. Faudrait voir de quand on est en bas en fait. Oui, ils sont lents, mais ils sont mieux qu'un hélico. Comment ça s'appelle? Qu'une voiture, voilà. Ah bah oui, de toute façon, oui, parce que la voiture elle fait des virages et mais tout. Mais c'est lent, c'est très lent. Donc, encore deux quêtes de validité, félicitations. Et après, il restera donc plus que. Normalement. Il y a encore 4-5 quêtes, hein. C'est ça ce qu'on avait vu, hein, Grizzix. Hein. Non? Grizzix hésite! Grizzix reprend ses notes! Et il compte! 1, 2, 3. Allô? Oui, allô? Il hésite et il compte trop, là. Allô, oui, bonjour? Oui, bonjour. Alors, non, normalement, on a 3 personnes à aller voir, mais. On aura 5 ou 6 quêtes. Et 3 personnes à aller voir, 5 ou 6 quêtes, c'est parfait. Alors, c'est plutôt court, il faut juste. Ouais, faut se déplacer. Ouais, voilà, faut juste se déplacer. Hey, fais ton blind, le blind de ton bidon, hein. Tu l'as fait ou pas? Ouais. Bah, sinon, faudra qu'on se repose. On va tout faire en hélico. William, tu fais des coffres? Tous ensemble, je pense. William, t'es en train de crafter les coffres? On se rejoint où? Je crois que j'ai pas pris le super. Ouais, non, attends, je suis en train de faire un truc là vite fait. Je crois que j'ai pris par la côte, Grizzix, ce que je n'aurais pas dû. Et on retrouve cette magnifique cascade comme vous le voyez. Est-ce qu'on a des beaux plans hein, sur Gadou Gaming, hein, vous avez vu ça? Ah, c'est très touristique, hein. C'est très touristique, Gadou Gaming. Mais c'est la série de l'été! Malheureusement, pour vous, on est déjà à la fin de l'été. Bah oui.
Et ça, c'est moins plaisant, mais enfin bon, il y a une fin à tout, hein. Je pense que l'été, vous l'avez bien senti, hein, comme moi. C'est long, quand même, plaisant, tout quoi. Deux bien mois, là. Bronzé, tout ça. Oh, ça va. Nickel. Ça va. Non, il n'a pas assez. Je m'en souviens pas. Ouais, il nous reste encore un peu de chaleur, encore. Bah oui, de toute façon. Profiter. Alors... Après, il y aura l'hiver où là on pourra jouer et kicker pendant toutes les soirées. Ah oui, ça c'est bon. Ça. Que, t'es obligé. Oh oui. Oh oui. Par contre, j'ai pas assez pour qu'on sorte de coffre. Bah, si t'en. J'allais dire, si t'en as deux, j'aurais bien mis sur mon écrou, mais bon. Il y a une grotte qui est là, hein. Je pense que c'est une quête. De toute façon, il reste quoi? Il reste Timberwolf, Grizzly, mais ça nous sert à rien. Une grotte à côté de, du sud là. Je sais pas. De... Ça peut être. Oh non, attendez. Excusez-moi. Oh bah pour buter 4 personnes. Parce qu'il y en a une qui s'est pété la jambe dans une grotte que j'ai déjà croisé, mais j'ai pas fait la quête. Parce que je voulais t'attendre. Ah. Et c'est juste à côté de la maison en plus. Ah bah c'est parfait. Tu vois, on s'est mis où il fallait en fait, hein, clairement. J'arrive, Grizzly, je suis juste à côté, hein, je vois déjà avec mes yeux de. Tu es à la maison? Ah non, je suis pas à la maison, je suis en train de valider les quêtes moi. Bon, on se rejoint à la maison parce que. Bon, c'est un peu de la triche, mais en prévision des quêtes, je sais qu'on a du stuff à prendre. Ah. Et ça nous évitera des allers-retours. Ouais, bah c'est pas grave. Inutiles et vraiment pas passionnants. Ouais, mais enfin, comme tu veux. Non, non, y a pas de soucis, moi j'arrive juste, je pose. Pardon, excusez-moi, faut que tu me dises quel PNJ du coup il faut que j'active. Parce que là, moi je suis perdu, j'ai déjà fait un tour avec les PNJ il y a un ou deux épisodes. Je voulais savoir un truc, est-ce que vos véhicules étaient full dessin quand vous êtes parti? Ouais. Oui. Pourquoi? Comment ça se passe, comment ça se fait en fait? Bah quand on est parti, parce que... quand on est reparti, on a refait le plein avant de partir. Ah ouais, ok, quelqu'un a fait le plein de mon véhicule en fait. Oui, c'est moi. Du tien, je sais pas, mais si le. Si, il y avait une station essence. Avec mon bidon, j'ai fait le plein de celui de Gadju et du mien. Puis après, je suis allé à la station essence et j'ai rempli le tien et celui de William. Voilà, lui, on valide la quête. Nickel ça. C'est le X. Voilà, continue. Et là, il dit great work! J'ai envoyé un bateau pour machin, on s'en fout, pour obtenir des supplies, donc des de la fourniture en gros. Oh, il me propose autre chose. Il me propose un cinquième Earth Beacon, Grizzix, mon dieu. Cinquième. Oh non. Ouais. À Holokai Harbor. On l'a déjà fait, non? Ah non, on l'a pas fait. Holokai Harbor. On l'a pas fait. Non, on l'a pas fait. On le fera certainement en vidéo, celui-là, hein, pour vous, parce que sinon on s'en sort pas, on pensait que c'était le dernier, mais. Au pire, on validera la quête avec vous. Comme ça, on le fera en vidéo parce que, non, clairement, je pense que ça vous intéresse pas plus. Hein. On va rater les conneries. Hein. L'appareil photo avec qui faut... Oh merde, je me suis pété les jambes en tournant comme un con! Attends, lui, est-ce qu'il va me proposer quelque chose pour Anad? Vérifier. No signature report, ok. Est-ce que le capitaine, l'amiral, va me proposer de passer au grade au-dessus? Non, non plus. Bon, est-ce que vous vous souvenez à qui je dois rendre l'appareil photo là? Lost Camera. Alors là. Oh là là. Scoot Claim. Non, non, il y avait une 7 drop. Ouais, je sais pas à qui faut le rendre le truc là. C'est ça qui fait chier. Et ça, c'est très mal fait. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être lui. Non. Bon, je vais faire le tour. Écoutez, de toute façon, on n'est plus à ça près. Hein, ça, au moins, vous verrez. Voilà, lui, il dit rien. On a la nana là. Je pense que la nana, elle va nous redonner quelque chose, elle. Elliot ou sa copine? Ok, bah elle alors. Sarah. Aha. Ah bah iPhone the camera, c'était elle. Ok d'accord, nickel, bah parfait. Yes, this picture machin. Ok, ça peut lui faire plaisir. Ah, maintenant j'ai trouvé la caméra, je pourrais faire des trucs plus importants. Ah, voilà. Donc là, elle me redonne une quête qui serait qu'elle a confirmé des reports of Aegis, c'est quoi? Le kidnapping d'Aegis, c'est ça? Aegis Facility. Aegis kidnapping. Une sorte de société secrète en fait. J'ai pas trop compris ce que c'était. Mais le Unilding n'a pas d'idée de comment ils ont été pris. Donc il faut aller à Aegis Facility dans la montagne et repérer le laboratoire. Donc il faut rechercher le Aegis Facility. Voilà. Ok, j'accepte. Tu sais où il est? Bon, parfait. Ouais. Par contre, nous je pense qu'on va cesser là. Je vais valider, je sais. Voilà. Ça fait encore deux quêtes de fête. Je sais pas, on en a fait combien, on doit être autour de la vingtaine, là, 20 ou 25. Hein. Et du coup, on va cesser, moi je vais rentrer hors vidéo. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, liker, tweeter, partager, ainsi que vous abonner si vous avez aimé. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Allez, bye bye.